C'est dans l'un de ses châteaux préférés, celui de Windsor, que la reine d'Angleterre a célébré jeudi son 90e anniversaire. Pour cet événement historique, consacrant aussi ses 64 ans de règne, c'est une pluie d'hommages que sa gracieuse majesté a reçue ce jeudi. Un hommage salué, comme le veut la tradition, par une salve de coups de canon. Après avoir inauguré un nouvel itinéraire touristique, la reine Elisabeth et son époux, le prince Philippe, ont ensuite pris un long bain de foule. Jamais reine n'a été aussi populaire. Selon deux sondages publiés la semaine dernière, entre 66 et 70% des sondés souhaitent qu'Elisabeth II n'abdique pas. Mais la reine limite ses sorties officielles et délègue désormais ses visites d'État à ses petits-enfants. Véritable icône, la reine est un roc pour la nation, a souligné David Cameron lors d'une séance spéciale du Parlement consacrée à l'anniversaire de la reine. Un anniversaire qui n'était qu'une répétition, une cérémonie plus officielle encore est programmée d'ici à l'été prochain.